Ok, yo tout le monde les gars, c'est LPF76 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu de loi. Voilà donc Ok donc on va directement commencer, voilà je sais qu'il y a déjà des youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus comme Cyril tout ça. Mais j'avais envie de tester vu que j'ai pas trop regardé, je vais découvrir un peu avec vous. Enfin là je vais pas découvrir avec vous parce que voilà j'ai tourné les rushs juste avant. Et bah en fait je les ai pas eu. Donc je vais être obligé de retourner ça une deuxième fois. Ce qui est dommage, c'est que bah vous allez pas voir ma vraie réaction parce que je connais déjà les touches, quoi, tout ça. Regardez, on va essayer de faire une musique avant. Voilà, c'était éclaté au sol, mais bon, c'était la petite musique. On est directement parti du coup. Voilà, on a justement la liste. Donc, déjà entrer dans le jardin, plutôt simple. T'as activé l'eau qui est juste ici. Voilà, ça va faire venir normalement. Du coup, on va faire toutes les missions en même temps. Oh non! Vite. En fait, faut qu'ils se mettent les pieds dans l'eau. Donc ça va nous faire, voilà, deux missions. Deux missions. Comme ça, on est bon. Donc à présent, je pense qu'on va faire le pique-nique. Voilà, c'est un peu le truc le plus long. Donc c'est-à-dire, en fait, faut amener tout ce qui est... voilà, le panier, le sandwich, la pomme, le thermos, etc. Sur ce tapis. Enfin, sur cette couverture, voilà. Donc il nous reste la citrouille et la carotte et le thermos. Enfin bref, on va prendre d'abord la carotte. Et on a fait entrer dans le jardin en même temps. Attendez, on va essayer de prendre la citrouille sans qu'il nous remarque. Normalement c'est bon, il nous a pas vu. En tout cas c'est vraiment un jeu drôle. Enfin quand je l'ai filmé tout à l'heure, j'ai vraiment trouvé ça marrant. Voilà, c'est plutôt drôle. Donc il y aura sûrement d'autres épisodes dessus parce que en vrai c'est plus j'ai trouvé ça kiffant tout simplement. Non. Mais. Mais non, mais les gars, mais c'est une grosse blague. Viens là, voilà. Ok, donc il nous reste la confiture, thermos et radio. Donc on va directement aller chercher, je sais où c'est sur la table de pique-nique au fond de son jardin. Allez, on va prendre le thermos d'abord. Non. Tu ne l'auras pas, tu l'auras pas. Non. Mais genre, il m'a rattrapé au bout de deux. Un, deux, deux. Il me voit pas, il me voit pas. Il faut pas qu'il nous voit là. Il nous a vu. Vite. On a réussi. Oui, on l'a. Ok, on y retourne. On va aller chercher la suite du coup. Donc normalement la confiture. Quoi? Non, ça a pas compté. Attendez, là on va reprendre la confiture. Là normalement si nous. Non là normalement il nous crame pas. On a la confiture. Ah il faut aussi qu'on lui chourre ses clés. Attendez, on va essayer de voler ses clés. Quoi? Mais pourquoi il fait quoi? Mais. Qu'est-ce qu'il fait? Eh oh! Tu crois que tu m'impressionnes là? On a les clés! Les gars, on a les clés, on se barre. Ok c'est bon, on a volé les clés. Le thermos est compté, il nous reste plus que la radio. Hein, et la confiture? Et je l'ai mis tout à l'heure la confiture, les gars. Mais il l'a dans la main. Qu'est-ce qu'il fout avec sa confiture? À moi. Oh, j'ai réussi à choper! J'ai réussi à choper! Confiture, c'est bon, ça l'a compté. Ouais, c'est bon, elle est bien comptée. Donc il nous reste plus que la radio du coup. Non mais pourquoi elle fait de la musique? Cette radio, c'est infernal. Oh la radio, le genre français, enfin loi française. Mais pourquoi la confiture elle s'est enlevée? Bon on a tout sauf la confiture encore une fois. Dégage. Mmh.
Mais non, mais c'est un gros bouffon. Il saoule. Dans le petit lac. Et voilà. Il ne reste plus que faire le pique-nique et faire en sorte que le jardinier porte son chapeau de soleil. Donc, qui est juste sur la porte là-bas. Allez, il a fait tomber la radio. Aïe, mais il me lance la caisse. Mais c'est un truc. C'est un psychopathe, lui. On va faire le tour, on va faire. Ah, mais je crois qu'on peut se cacher dans les plantes, non? Jamais essayé encore. Normalement, là, on l'a. Là, je vais attendre qu'il se barre un peu. Non. Jure, il m'a vu. C'est bon, normalement, j'ai le temps. J'ai le temps d'aller. Et vu que je vais poser tout. Carotte. Il a repris sa carotte. J'ai envie de pleurer. Il a repris la carotte. On va remettre la carotte. Quoi? Il m'a vu. Non, mais il a repris le thermos. Tu vas laisser mon thermos, là. Non, mais bon, il est trop chiant à pousser, ça. Attendez, on va laisser se barrer avec la radio. Non, on va reprendre le thermos. Oh. Oui, on a réussi à faire le pique-nique. Si peu de temps avant la fin. Il nous reste juste faire en sorte que le jardinier se donne un coup de marteau sur le pouce. Il nous reste ça, donc ça c'est un défi bonus. Donc en gros, je pense que ça remplace faire en sorte que le jardinier machin. Enfin, tout à l'heure, j'ai fait se donner un coup de marteau sur le pouce et du coup, ça a ouvert le portail. Et du coup, bah, ce portail, voilà, qui est là. Et du coup, on pouvait passer. Du coup, j'avais pas besoin de faire l'autre défi là. Je vais planter, les gars. Tiens! Comment je peux le faire porter son chapeau? Parce que pour qu'il se donne un coup de poing. Un coup de marteau sur le pouce, et ben il faut qu'il construise un panneau interdit. Mais. On est vraiment trop chiant. On est littéralement en train de le saouler, je sens. Bon, attendez, on va voir s'il va mettre le panneau. Parce que je sais pas comment faire pour qu'il prenne son chapeau. Peut-être lui chourave son béret ou un truc comme ça. Je sais qu'ici, il y a un passage secret, je l'ai vu à la partie d'avant. Juste ici, mais je suis pas allé voir où ça donnait. Faire quoi là? Je sais pas, j'ai la flemme d'aller voir. Alors, comment faire pour que. Oh là! Les gars, on a réussi! J'ai chouré son béret! Attendez, il va pas venir là? Si je me barre par ici? Si je le pose là? Ah, les gars, il va mettre son chapeau, let's go! Là, je suis content là! Il va mettre son chapeau! Mince! Oh non, par contre, s'il le met pas! Si, il va le mettre là! Voilà. Maintenant, il va construire le panneau. Donc maintenant, il ne reste plus l'étape que faire en sorte que le jardinier donne un coup de marteau sur son pouce. En fait, quand il va construire, voilà. Et ben, quand il va taper sur la vis, je vais devoir faire un, je sais pas comment ça dit, mais je vais devoir faire ça. Voilà. Et là, il va tomber sur le truc là. Tombe. Voilà. Littéralement. Et. Non mais. Mais il me bloque pas. Maintenant, les gars, on est à la deuxième étape. Voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo, je pense. Donc, si elle t'a plu, voilà, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et si tu veux un deuxième épisode, dis-le moi en commentaire. Et pour pas louper mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche des notifications. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Bon, je vais vous avouer, la prochaine étape, par contre, je la connais vraiment pas du tout. Hein. Ah oui, on a des nouvelles tâches, ok. Bon bah les gars, sur ce, moi je vous dis tchuss.